Quincy! Quincy! Où est-ce que tu vas, Quincy? Oh mon Dieu! Quincy, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu t'es fait mal? Je voulais juste m'amuser. Oh, c'est pas vrai. T'en vas pas comme ça la prochaine fois, s'il te plaît, ok? Mais... ça va? Désolé. Je suis vraiment désolé. Mais ne fais plus ça, d'accord? La prochaine fois, tu fais attention. Rentrons. Qui c'est? Doliva, Doliva! Y'a maman Bayou, hein? Hey! Doliba, yo, yo, yo. Batago. Ougebe, moi, Doliba. Yamama, ban, yo, well. Golibe, wa, yo, yo. Masinati, yo. Golibe, oh, Golibo. Namama, gay, moussile, gigo. Golibe, yo, yo, yo. Mada, Golibe. Maka, makatama. Makata, makata. Makata, makatu, makatama. Makata, makata, matadima. Makata, makatama, oh. Oh, makatama, yo, yo. Oh, makatama. Makata, makata, oh, matadima. Écoute, Kinsey. Ton père doit me payer des millions, oh. Il doit me payer des millions pour cette magnifique coiffure que je t'ai faite. Ha! Ton papa doit me donner beaucoup d'argent, oh. Parce que ce n'est pas facile. Tu vois comment tu es belle? Tu es belle, on dirait Mami Wata. Eh, j'ai dit Mami Wata. Mm-mm. Tu es comme la reine Elisabeth. Donc je ressemble à la reine Marthe? Tu dis? Je ressemble à la reine Marthe? Eh, la reine est morte? Non, je parlais de sa version en plus jeune, quand elle était en vie, quand elle était plus jeune, à ton âge. Mm. Alors, c'est quoi le nom de cette coiffure? Pardon? Comment appelle-t-on cette coiffure? Tu es Mangasa? Tu es Mangasa. Tu ne connais pas. Ok, tu peux appeler ça... Secadelia. On appelle ça Secadelica. Tu peux choisir un. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi voir le miroir. Ce n'est pas encore l'heure de se mirer, hein? Attends, je finis d'abord. Le miroir? Hé, Kinsey, c'est une mauvaise habitude de se mirer avant qu'on ait fini de te coiffer. S'il te plaît, laisse-moi finir. Donne-moi le miroir. Hey. C'est quoi ça? C'est le modèle. Tu n'aimes pas? C'est bizarre. Défais-les. Pardon? Défais-les. Ah, ma sœur, je suis déjà allée trop loin pour commencer à les défaire. Je suis allée trop loin. Laisse ça comme ça, hein. Tu vas adorer. Laisse-moi d'abord finir. Tante Julia Martins, je vais à l'intérieur. Kissy, viens, viens. Viens que je finisse tes tresses.
Viens ici. Cette petite veut me faire... Nam. Viens ici. C'est encore votre Luciole. Coucou les amis. Bienvenue à une autre édition de votre émission de radio favorite. La plus grande gloire de la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais échouer, mais dans le fait de tomber à tout moment. De belles paroles du grand Madiba, Nelson. Kinsey, s'il te plaît, allons terminer les tresses. J'ai d'autres choses à faire, alors allons le faire rapidement. Laisse-moi d'abord écouter ton Julia. Attends, comment peux-tu donner plus d'attention à quelqu'un qui est dans la radio qu'à moi, qui suis-je devant toi? Moi, j'aime beaucoup ton Julia. Elle ne te connaît même pas, oh. Elle ne se soucie même pas de toi. Je sais qui elle est et je l'aime beaucoup. S'il te plaît, arrête de faire ça. Arrête de faire l'enfant. Allons terminer les tresses. Tu me perds le temps, bien. Que se passe-t-il? C'est ta fille, oh. Regarde une fille que je tresse. Une fille dont je fais les cheveux. Elle me laisse pour aller écouter une de cette femme à la radio. Je ne comprends pas. Tante Julia n'est pas une poupée. C'est mon actrice préférée. S'il te plaît, laisse ça qu'on aille continuer ce qu'on faisait. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh, toi et cette tante Julia. Obi, si la petite veut écouter la radio, alors laisse-la, ok? Merci, papa. Regarde ses cheveux. Tu peux aller faire autre chose. Je vais le finir plus tard. En passant, viens, je vais te montrer quelque chose. Mais vous me déconcentrez, là. Oh, désolé, ne te fâche pas. Et dépêche-toi, parce que je reviens. Calme. Quand t'auras fini, tu pars te balader. Ok. Dépêche-toi, car tu vas aussi danser. Doucement, doucement. Ralentis. Ok. Oh. Ça fait 5 minutes. Tu l'as fait en 5 minutes. Tu dois le reprendre. Hey, bébé. Benson. Julia. Bonjour, Monsieur Peter. Content que vous soyez venu lui donner du soutien. Parce que ce garçon n'est pas en forme. Ne vous en faites pas, ça ira. Que se passe-t-il? Eh bien, je peux faire mieux. Les autres mecs étaient là, Tony m'a battu en prenant la première place. Et le coach ici présent voulait que je reste ici afin de mieux m'entraîner. Et pourquoi ça? J'ai cru que t'étais meilleur que Tony. Ouais, c'était l'année dernière. J'avais l'habitude de le battre de 5 secondes. Mais je devine que c'est la vie. Et il faut être assez généreux pour partager le succès. Je vois. Coach. Bien, ça suffit avec ça. Allez, dis-moi. Comment va mon bébé? Ma meuf? Ma copine? Allez, comment est-ce qu'elle va? Fiancée? Si je me souviens, fiancé signifie être mieux qu'une copine. Bien. Alors, appelle-moi correctement. En amour de femme. Pas si vite. Alors, je ne peux pas te plaire. Bien sûr, tu peux. Comme Ben, le macho. Deviens Ben, le lover. Et Julia Martins. La superstar de l'animation radio sort ses gants. Et quoi donc? Un tigre, une tigresse, une lionne, et une allumeuse. Tout ce qui a trait à la féminité est exactement tout ce que tu présentes. J'imagine que c'est pour ça que Tony m'a battu après la première position. Je ne me plains pas. Alors là, pas du tout.
contente que tu vas bien. Contente que t'ailles bien aussi. Allez, viens par là. Ah, c'est bien. Hé hey comment fait-on ça? Eh wow. C'est comme ça qu'on fait chaque jour. Maintenant, je vais te citer quelques points sur comment perdre du ventre. Avec ton ventre? Tu ne veux pas avoir des abdos? Tu veux rester comme ça? N'es-tu pas une jeune fille? Ne sais-tu pas que les jeunes filles ont un ventre plat? Suis-moi. Fais comme moi. Docteur Bianca! Coucou ma chérie, comment tu vas? Oui, Obi. Docteur Bianca, la plus jolie des docteurs. Obina, quand vas-tu arrêter de me flatter? Je ne vous flatte pas. Je dis simplement que vous êtes très jolie et mon frère est célibataire. Et donc, vous êtes tous les deux libres. Hé, hey, docteur Bianca. Comment tu vas? Ouais. Vous travaillez encore? Oui. Peut-on avoir un moment? Ouais, bien sûr. Allez-y, continuez. D'accord. Tiens tes hanches, comme si tu veux. Par ici, regarde par ici. Et fais ceci. Nous devons amener Quincy pour une autre opération. De quoi est-ce que tu parles? J'ai cru que t'avais dit qu'elle irait bien après la dernière opération. Qu'est-ce que tu dis? Peut-on aller ailleurs parler de ça? Je ne voudrais pas qu'elle nous attende. Ok? Tu sais quoi? Donne-moi le pire. Je t'écoute. Donne-moi le pire. Vas-y. Elle a un rétinoblastome. Un cancer de l'œil. Ça, je sais. Je sais, dis-moi quelque chose que je sais pas. Elle est née avec. Et après la dernière opération, tu m'as précisément dit qu'elle irait bien. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Écoute, la tumeur évolue rapidement. Elle évolue dans l'autre œil. Pour arrêter cette évolution, nous devons faire cette opération. Oh, elle risque d'être la vue. Oui. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Écoute, ma fille ne peut pas perdre ses deux yeux. Elle ne peut pas perdre ses deux yeux. Elle est déjà aveugle d'un œil. Tu ne peux pas la laisser tomber aveugle d'un autre œil, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous devons agir maintenant. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Docteur Bianca, ma puce, tout va bien. Il s'agit de moi, n'est-ce pas? Tiens là, tout ira bien. Ok. Ah, Félix. Ouais, ma princesse, tout ira bien, ok? Ça ira. Merci, docteur. On y va. Bébé? Oui. Tu sais, chérie, dans cette vie, on doit être fier de qui est-ce qu'on est. Bien dans sa peau, essayer d'être tranquille. Dans sa situation. Parce que ce qui me fait pleurer pourrait ne pas faire pleurer l'autre. Et pareil pour ce qui me rend heureux. Je suis tentée d'aimer la façon dont l'herbe te transforme instantanément. Je devrais choper une de tes phrases dans mon émission. L'herbe? M'as-tu vu un jour fumer de l'herbe? Et en passant,
De quelle émission est-ce que tu parles? Allons, mon amour. Tu veux me dire que tu ignorais que j'étais une personnalité publique désormais? Tu n'écoutes pas mon émission? Celui du live Ketchup à la radio. Julia? Désolé. Je crois que t'as inhalé plus qu'il n'en fallait. Oui. Désolé pour ça, chérie. Cette relation est un truc de dingue. Allez, on y va. Aide-moi. Ok. Ah, un moment, mademoiselle Julia. Écoutez, je n'ai pas de temps pour des blogueurs inutiles. Quand est-ce qu'est prévu le mariage entre vous deux? Et qui vous a dit que nous allons nous marier? En fait, le monde entier est au courant. Puisque le monde entier est au courant, pourquoi me le demandez-vous? Bah, vu le fait que vous êtes ensemble depuis toujours. Là, vous balancez des conneries et ce n'est pas bon pour un professionnel. Maintenant, laissez-moi vous donner un conseil. Vous devez aller voir un psy. Non. Je pense que vous en avez plus besoin que moi. Ah, madame Julia, cessez de vous voiler la face. Le monde entier est au courant que vous perdez la tête. Quoi? Vous savez quoi? Je pense vraiment que j'ai fait une erreur de vous écouter. Non, mademoiselle Julia, s'il vous plaît, attendez. Veuillez laisser ma voiture. Pouvez-vous... tenez-vous bien. Mais tu peux me dire quel est ton problème? Julia, qu'est-ce que... J'aimerais juste lui poser des questions. Si tu ne te respectes pas, je vais t'en coller une tout de suite. S'il vous plaît, calmez-vous. Du calme. Imbécile. C'était quoi ça? Pourquoi accepter ma bague de fiançailles si t'as pas l'intention de m'épouser? Je suis désolée de t'avoir laissé là-bas. Là n'est pas le souci. Il y a quelques moments de ça, Dieu te plaignait, car je ne t'appelais pas correctement comme ma fiancée. Je pensais que tu m'aimais. Bien sûr que je t'aime, Ben, mais tu ne t'attends pas à ce que j'écris sur tous les toits qu'on va se marier. Cela fait 3 années, 3 ans de fréquentation, et près d'un an qu'on s'est fiancés. Mais voyons, c'est quoi ton problème, Julia? Oh, allez, Ben. N'insiste pas là-dessus. Fixons une date et planifions ce mariage. Pourquoi se précipiter? Eh ben, tu vois, c'est ça le problème avec toi. Tu évites toujours ce sujet. Bébé, allez, détends-toi, d'accord? Calme-toi. Lorsque le lion s'en va vers sa lionne, qui est-ce qu'elle est pour lui résister? Allez, ne sois pas comme ça. T'es coquine. Félix, à te voir dans cet état, comment vais-je te dire ce que je veux te dire? Tu as été viré? Ils t'ont viré? Comment va-t-elle? Écoute, laisse-moi te dire. Le moment est venu d'embaucher une nounou dans cette maison. Le moment est venu d'embaucher une nounou. Parce que le stress que j'endure dans cette maison, vraiment je suis fatigué. Dès que tu mets un peu plus de temps que prévu dehors, que tu ne rentres pas, cette fille se met à pleurer. Je dois commencer à essayer de la consoler. Calme-toi.
et lui chanter des chansons encore et encore, et lui donner des sucreries pour qu'elle se calme. J'en ai marre. Je fais déjà au-delà de mon devoir dans cette maison. Je suis fatigué. Quel que soit ce que tu fumes, ou quelle que soit la drogue que tu prends, tu ferais mieux d'arrêter. Non, Félix, que signifie tout ça? Non, mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu vas me remercier? Félix, entre toi et moi, qui a l'air de consommer la drogue? Hein? Un homme normal rentrerait-il à cette heure? Tu marches comme ça, on dirait un ivrogne. Et tu rentres, tu viens me demander quel genre de drogue je consomme. Je n'aime pas ça. Ne m'insulte pas. Avec tout le stress que j'endure ici, c'est ainsi que tu vas me remercier. Demain, tu regretteras tout ceci, si je savais. Papa, tu ne rentres pas souvent tard. Pourquoi aujourd'hui? Hé, Cupcake. Je suis désolé, d'accord? Et je te promets que cela n'arrivera plus. Et en passant, ton oncle m'a dit que t'as pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que maman est morte, tu me lis toujours des histoires avant de dormir. S'il te plaît, papa, rentre vite à la maison. Je ne veux pas qu'Oncle Obina me lise des histoires. D'accord. Je te promets de créer du temps pour ça dorénavant. Alors, quand vas-tu te marier avec Dr Bianca? Attends, quoi? Écoute-moi, Cupcakes. Moi et Dr Bianca sommes juste amis. Et des amis ne se marient forcément pas. Je sais que tu lui plais, c'est pour ça qu'elle vient ici régulièrement. Et je pense que tu l'aimes bien aussi. Primo, tu penses trop. Et pour que l'amitié fonctionne entre deux personnes, il faut qu'elles s'aiment. Alors je vais te raconter une histoire. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Alors, il était une fois, il vivait une magnifique princesse, très très loin, et elle était la plus belle de toutes les créatures. Cher papa, je sais que tu me caches quelque chose. Il y en a qui gardent des choses pour eux et pleurent dans leur placard, comme si cela allègera le fardeau. Je sais que tante Bianca nous a rendu visite à cause de mon œil. Je sais que mon œil restant se détériore également.
C'est pourquoi j'ai trébuché l'autre jour, sous ce petit soleil. Pas vrai? Les docteurs vont-ils encore m'enlever mon œil, comme ils l'ont fait avec l'autre? Cela signifie que je ne serai plus en mesure de voir quoi que ce soit. Je serai aveugle. S'il te plaît, papa, s'il compte m'enlever mon œil, alors accorde-moi ses souhaits. Je veux voir Julia Martins, l'animatrice radio, avec mes propres yeux, avant que je ne perde la vue. Je souhaite toucher Julia Martins. Et je souhaite également l'embrasser. C'est tout ce que je demande. Je t'aime, papa. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, bébé, 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 ah! Tous ces cauchemars deviennent, ils deviennent de trop. Je ne sais pas. J'ignore pourquoi ils viennent sur plusieurs femmes. J'ai peur pour la vie de ma cousine. Ok. Et nous irons à l'hôpital, demain. Ok? Je suis certain qu'elle va bien. Allez, tu dois te rendormir, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Viens par là. Ça va aller, chérie, ça va aller, d'accord? Ça va aller. Allô, suis-je avec Crystal FM? Oui, comment puis-je vous aider? S'il vous plaît, j'aimerais booker un rendez-vous avec Julia Martins, la présentatrice de Julia Ketchup's Show. Julia ne travaille pas pour cette station radio. Julia's Ketchup's est une émission privée indépendamment. Ok, écoutez, je ne suis pas un agent de la presse, je suis ingénieur. Alors je me demandais si vous pouviez m'expliquer en des termes que je pourrais comprendre. Monsieur Ketchup n'est pas une émission live. Elle fait l'enregistrement, puis elle envoie pour être diffusée. Je vois. Pouvez-vous me passer son numéro privé pour que je puisse la contacter? Monsieur, cela est confidentiel. Eh bien, monsieur, ce sera tout. Oh oui, oui, je comprends parfaitement. D'accord. Salut. Oh, Bianca. Je ne m'attendais pas à te voir. Mauvais timing. Oh non, bien au contraire, j'étais en route pour l'hôpital pour venir te voir. Oh, Quincy. Non, Quincy va bien, elle va bien. Et puis, en passant, connais-tu une certaine animatrice radio appelée Julia Martins? Bien sûr que oui, tout le monde la connaît. Oh. Oui, j'aime aussi son émission. Quincy a fait une demande sur la liste de vœux qu'elle m'a donnée. Elle voulait la rencontrer avant son opération. Oh, as-tu essayé de la joindre sur un de ses réseaux sociaux? Tu veux dire Facebook? Oui, Facebook, Instagram, Twitter et autres. Tu sais, Bianca, je suis pas trop fan des réseaux sociaux. Mais voyons. Ok, t'inquiète, je vais le faire. Je vais l'écrire moi-même. D'accord, mais tu crois qu'elle va te répondre? Oui, bien sûr. En fait, il n'y a pas de mal à essayer. Ta petite fille a fait une demande. Une demande assez touchante. Nous devons la respecter et essayer de la rendre possible. Ouais, je suis d'accord. Ok, d'accord, je vais commencer avec Instagram. Attends, on va le faire à l'intérieur. Viens. Ok, d'accord. En passant, cette Julia Martins, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Si elle se tenait devant moi actuellement, je ne la reconnaîtrais même pas. Vraiment? Ouais.
T'es si drôle. Comment ça? Oui, parce qu'elle est très populaire. Ok. C'est une jolie fille. Un peu dure à cuire, selon ce que j'ai lu sur Internet. Mais qui sait, elle peut être quelqu'un de bien. Mais une fois de plus, je suis curieux de savoir pourquoi ma fille est obsédée par elle. Une liste de vœux? Oh, mais voyons. Ok, ne t'en fais pas, laisse-moi mettre à jour ma page. Sois juste patient. Je vais te montrer à quoi elle ressemble. Oh, non, le réseau est un peu naze aujourd'hui. Sois juste patient. Quoi? Écoute, je me demande comment tu t'en sors sans une femme dans ta vie. Je me le demande aussi. Et cela me rappelle... la nuit dernière, quand je suis allé parler à Quincy au lit, okay. Elle m'a demandé quand est-ce qu'on va se marier. Attends, à qui? Toi? Oh, c'est pas vrai. Ben. Bianca? Mais je me trompe, pourquoi? Yola, qu'est-ce que tu fais? Waouh! Mais qu'est-ce que tu fais là? Quel genre de question c'est que ça? Que faire un docteur à l'hôpital? Ah oui, ah oui. T'es maintenant docteur, c'est ça? Oui. Oh, viens par là, allez, viens, viens, viens. Oh mon Dieu. Ça fait plaisir de te revoir. Content de te revoir aussi. How? Oh, allez, regarde-toi. Oh. T'es sublime. Merci. Hey, bébé. Salut, je suis... Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, c'était un plaisir de te revoir, ok? Oui. On doit se rattraper, d'accord? Bien sûr. Je te rappelle plus tard, d'accord? Hey, Julia! Au revoir, Ben! Regarde comment t'as tout transmis à notre fille. Regarde. Dis-moi. Dis-moi comment compte-t-il. Ma femme. Comment va ma femme, docteur? Docteur! Papa? Papa? Cupcake? C'est à moi que tu penses? Tu iras bien, ok? D'accord? Tu iras bien. Je suis prête, alors allons faire un tour. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu le prends? Bébé, allez, tiens ton verre. Je t'ai dit que je ne voulais pas boire. Eh bien, j'imagine que tu ne veux toujours pas me dire pourquoi tu t'es enfui lorsque tu as vu cette fille. Je devrais te demander, qui est cette fille pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire?
quel qu'en soit qui elle est pour moi, là n'est pas le problème. Est-ce que tu sais que tu te fais du souci pour rien? Pourquoi t'es-tu enfui comme ça? N'importe quoi. Oh, pitié, arrête ces conneries. Écoute, tu sais, je peux sentir l'infidélité à 1 million de kilomètres. L'infidélité? Écoute, je n'y crois pas. Tu veux dire que t'as affiché ce comportement étrange à cause de quelques suspicions infondées? Tu n'as pas encore vu de comportement étrange. Écoute, j'ai bossé dur et j'ai travaillé mes ménages pour me construire ce statut public. Et je ne te laisserai pas le détruire par ton association avec une de ces pétasses et autres. Excuse-moi. Je vole comme un oiseau, je vole comme un oiseau, je vole comme un oiseau. Papa, tu peux me déposer maintenant. Parfois, tu me traites comme si j'étais encore un bébé. Parce que tu es mon bébé, tu es mon gros bébé et tu seras mon bébé pour toujours, ok? Je veux que tu me rassures que tu ne te fatigues pas de moi à cause de ma maladie. Ta maladie? T'es malade? Depuis que je suis née, je ne t'ai apporté rien d'autre que du chagrin. J'aurais aimé que ce soit différent. J'aurais voulu t'apporter que du bonheur. Cupcake, écoute-moi. Je t'aime beaucoup, tu comprends? Ok? Et tu ne m'apportes rien d'autre que du bonheur. D'accord? Et je t'aime. Je t'aime très, très fort. Et rien ne pourra changer cela. D'accord? Ne te dis pas que t'es malade. T'as juste un petit problème avec ton œil. Et ça, on va le résoudre ensemble. Je ne m'épuiserai pas. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Je ne te lâcherai pas une seconde. Tu peux sourire pour moi maintenant? Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon bébé. Alors maintenant, je vais encore te porter comme mon bébé. T'es prêt? Allez, viens là, mon gros bébé. Vole comme un oiseau. Comme je te le disais, les choses sont vraiment coûteuses. Préparer cet opa est devenu très compliqué. Les prix ont augmenté et actuellement au marché, tout est devenu cher. Pour avoir une certaine quantité, il faut vraiment... Bonjour, ma tante. Excusez-moi, vous voulez acheter l'opa? On ne veut rien acheter. Désolée de vous déranger, c'est ma fille. J'aimerais juste écouter la radio avec vous. Tante Julia est mon animatrice préférée. Quincy, nous devons y aller. Papa! Quoi? Puisque je ne peux pas voir Julia Martins avant de devenir aveugle, pourquoi ne me laisses-tu pas au moins entendre sa voix? Elle est comme un ange pour moi! Voyons, rentrons s'il te plaît. Oh mon Dieu! Ma fille! Tu vas perdre la vue? J'ai le cancer de l'œil. Oh, ma fille, viens t'asseoir. Madame, je vous en prie, pardonnez ma fille. Elle est obsédée par elle. Hey! Dieu va guérir ta vue, hein? Notre Dieu guérira ta vue. Ce qui est impossible à Dieu n'existe pas, hein? Ma fille, ma chérie, hein? Laisse-moi augmenter le volume pour la toi, la vie est une aventure audacieuse, qu'on franchit ou pas du... Ce que je veux qu'on médite aujourd'hui, c'est notre force sur l'échec. Pourquoi cours-tu après ton ombre? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Ce n'est pas moi qu'ils veulent. C'est ton fardeau. Tu dois arrêter de me donner des cauchemars traumatiques comme si j'étais la cible. J'ai besoin de ton aide. Tu ne peux pas me tourner le dos maintenant. J'ai besoin de toi. Non, je ne peux pas, d'accord? J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. Et tu sais quoi? Tu dois arrêter de me hanter, s'il te plaît. Cesse de me donner des cauchemars, d'accord? Fiche-moi la paix. Lâche-moi, Jenny. Fiche-moi la paix, Jenny, d'accord? Colle-moi la paix, je t'en prie. Je ne te dois rien. Cesse de venir à moi, je... Julia! Vous tous, fichez-moi la paix, d'accord? Que tout le monde me fiche la paix! Fichez-moi la paix! Fichez-moi la paix!
Bébé, ta cousine a eu un bon accouchement. Je me suis personnellement rassuré qu'elle arrive chez elle en sécurité, avec son mari et son enfant. Et alors pourquoi fais-tu toujours autant de cauchemars et de crises? Je ne peux pas comprendre. Comment ça je ne peux pas comprendre? Je ne te comprends pas, ces jours. Un moment, t'es normal, et après tu agis d'une façon très étrange. Ben, s'il te plaît, s'il te plaît, quoi? Quoi, s'il te plaît? T'as tout un tas de secrets. Et à ce que je sache, les gens qui gardent les secrets sont très dangereux. Oui. Cette fille, qui est-elle pour toi? Qu'est-ce qu'elle a à y voir là-dedans? Je t'ai posé une question. Ok, on a été en formation ensemble. On a eu une aventure, mais pourquoi t'es obsédé par cela? Tu viens de dire que vous avez eu une aventure et tu me demandes pourquoi je suis obsédé par ça? Oh putain de merde, Julia, t'es si incohérente, putain, incohérente! Je viens de te dire une aventure là tout de suite! Vas-tu la fermer? Qu'en est-il de ta folie, Julia? Ferme-la, Ben, ferme-la maintenant! Oh mon Dieu! Ma sœur, c'est comme ça qu'on nous mentait quand on était enfants. Je t'assure, oh, tu te rappelles quand nous étions enfants? On nous racontait de ces histoires parce que nous étions des enfants. On nous disait que la tortue n'a pas de cerveau. Qu'elle ne réfléchit pas avec sa tête. Qu'elle réfléchit avec ses pattes, avec ses mains. Que parfois la tortue pouvait dépasser le tigre. Et même le lion. Et que tout cela arrivait dans le royaume des tortues. Et que tous les humains étaient morts. Et il ne restait plus que les tortues. C'est ce qui nous a fait grandir, car tout ce qu'on nous racontait lorsque nous étions enfants, on l'acceptait dans nos cerveaux. C'est pourquoi on réfléchit comme des tortues. Alors, comment avez-vous pris un cerveau de tortue? Vous ignorez qu'on pouvait avoir un cerveau de tortue? Écoutez, laissez-moi vous dire, même si vous êtes médecin, je sais que vous êtes docteur normalement. Normalement, vous devez avoir un cerveau de tortue pour avoir la sagesse. S'il te plaît. Bienvenue, docteur Bianca. Coucou, ma belle. Viens là. Comment okay, tu vas? Ok, je monte. Devine quoi? Quoi? J'ai écouté une autre émission inspirante de Julia Martins. Vraiment? Ouais. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi? J'ai croisé Julia Martins aujourd'hui à mon bureau. Waouh! C'est vrai? Oui, je l'ai fait. Lui as-tu dit que je meurs d'envie de la voir? On n'a pas vraiment eu le temps d'en parler. Le gars avec qui elle était est mon ami. Oui. Waouh! Ne t'en fais pas. Je t'organiserai une rencontre avec elle. Je te le Merci. Promets. D'accord, ma fille. Je suis trop contente. Voyons quoi? Où vas-tu avec tout ceci? Et c'est pour qui? Tu ne peux pas comprendre. Et c'est tout ce que tu trouves à me dire, que je ne vais pas comprendre. S'il te plaît, ne dis pas ça, d'accord? C'est pour un enfant handicapé. J'aime faire ça depuis un moment. Est-ce que tu sais que t'es une menteuse hors pair? Hein? Je ne te fais plus confiance. Sale menteuse.
Salut. N'aie pas peur. Pas du tout. Je suis chez moi. Tu as raison. J'ai une information pour toi. Si tu cherches mon père, il n'y a aucun moyen que tu puisses lire dans son cœur. Le docteur Bianca l'occupe déjà. Bien sûr que non. Je ne suis pas ici pour voir ton père. Je suis là pour te voir. Et je t'ai apporté ceci. Waouh. Comme je l'ai toujours fait. Ça te plaît? Vous êtes la personne étrange qui m'apporte souvent tous ces cadeaux? Oui, c'est moi. J'espère qu'ils te plaisent. Pourquoi les cacher? Pourquoi les apporter en secret? Tu sais, t'es trop intelligente pour ton âge. Mais je dois y aller maintenant. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je dois y aller, mais sache que je suis ton amie, d'accord? Salut, Cupcake. Qu'est-ce que c'est? Et qui l'a apporté? La mystérieuse Mère Noël qui dépose tous ses cadeaux. Je suis contente d'avoir gardé ton nom. Hey, Laura, tu l'as encore. Que s'est-il passé? Après le service, t'as disparu. T'as arrêté de prendre mes appels. Dépression inexplicable. Si je t'expliquais, tu ne pourrais pas comprendre. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Bien. Tiens là, tu m'as manqué. Toi également. Regarde-toi. Regarde-toi aussi. Docteur Bianca. Eh oui. Tu m'as manqué, viens là. Oh. Ça fait un bail. Quoi? Est-ce que ça va? Allez, parle-moi. Ouais, je vais bien. Allons-y. Quoi? Oui, allez, dépose-moi, s'il te plaît, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce? Oncle Opineux! Je veux manger, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur! Attends, qu'est-ce que c'est? Désolé. Assieds-toi. Monsieur! Qu'est-ce que c'est? Tu as quelque chose à lui? Attends, ne touche pas, lève! Non, appelle papa! Lève ta main sur tes yeux! Appelle papa! Toi aussi, avec ces problèmes de yeux, chaque jour, tu as un nouveau dossier! Laisse, ne touche pas. Appelle papa. Attends, calme-toi. Appelle papa. Tu as du sable. Attends, je souffle. Non, appelle papa. Attends, tu as du sable dans le lit. Appelle papa. Attends. Ma puce, s'il te plaît, viens à la maison. Nous devons parler. Allez, viens, tu poses trop de questions. Dépêche-toi, d'accord? Hey! Ne vous approchez pas, d'accord?
Je ne vous connais pas. Je n'ai rien à voir avec vous. Ne vous approchez pas chérie, de moi. C'est bon, ne c'est, vous bon approchez c'est, pas c'est bon, de... chérie, Quelle c'est bon. Quelle part. Quincy? Quincy, tu vas bien? Dis-moi, est-ce que ça va? Je peux voir à présent, papa. Oh mon Dieu! J'ai failli avoir un arrêt cardiaque. C'est pas possible. T'es sûr que tu peux voir? Oui. J'ai combien de doigts, là? Voyons, papa, c'est 3 doigts. 4. Et maintenant? 5. 6. Elle voit clair. Laisse-la, elle voit. Rien ne lui est arrivé. Je lui ai dit, laisse ton père. Tu vas faire qu'il fasse un infarctus ou encore faire un accident. Mais elle ne faisait que pleurer mes yeux, même après avoir lavé son visage. Combien de doigts ai-je? 4. Je t'ai dit qu'elle voit clair. Cette petite peut véritablement voir clair. Laisse ma fille tranquille. Mon cœur, laisse-moi te nourrir. Ok. Julie? Julie! 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 Ma puce, où es-tu, s'il te plaît? Ma puce. Mais où es-tu? Ah. Ah. Ma belle, je suis chez toi. Je suis chez toi et il n'y a personne. Plus tu me fais peur et je n'aime pas ça. Je dis qu'il n'y a personne dans cette maison et... Ma puce, quel qu'en soit ce qui se passe, rentre-y. Rentre, s'il te plaît. Je vais t'attendre, ok? Donc, tu vois... Tu fais ceci, tu saisis un message, tu l'envoies, tu vas essayer. Comment est-ce qu'elle va? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Papa m'a dit que tu as vu Julia Martins. Oui, je l'ai fait. Quand est-ce que je vais la voir? Ah, c'est un peu compliqué. D'où sort encore cette complication? Ah, mon œil! Mon œil! Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Nous devons l'amener à l'hôpital tout de suite. Ok, d'accord, allons-y. Amène-la dans la voiture. Obi, viens fermer la porte. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que tu abandonnes chez toi? J'ai rompu avec Ben. Non. Je pensais que tout allait bien. Il me trompe. Je ne peux pas le supporter, surtout avec la fille en question. La fille en question? Quelle fille? Écoute, Valérie, ce n'est pas le moment de poser des questions, d'accord? Je dois quitter cet endroit. Je dois partir. Tu n'es pas sérieuse, j'espère. Ma puce, tu dois te calmer, tu sais, tu dois... Ne me demande pas de me calmer.
Tu m'aides à emballer ou... Non, non, attends, non, calme-toi. Rappelle-toi de notre entretien dans 2 jours et j'ai dit au producteur que tu seras prête. Annule-le. Pas du tout. Julie, le monde entier pense que tu caches des secrets très sombres. Nous avons besoin de cet entretien. Nous devons sauver ton image et ta carrière. Je me fiche pas mal. Julie. Julie, je t'en prie, écoute-moi, s'il te plaît. Oncle Obina. Oncle Obina, papa est là. Prends ces biscuits, prends deux. Tu es là? La puce? Comment tu vas? Je vais bien. Comment est-ce qu'elle va? Félix, tu vois ta fille? Tu vois cette fille? Moi, je suis fatigué. Depuis que le médecin est venu lui faire quelques examens, cette fille ne fait que appuyer ses téléphones, jouer aux jeux vidéo. Je lui ai demandé, comment fais-tu pour voir? N'est-ce pas, tu as des problèmes de vue? Comment fais-tu pour voir ce que tu appuies là-bas? C'est comme ça qu'elle me regarde comme une dangereuse. Comment t'arrives à faire des blagues en ce moment? C'est pas drôle du tout. Ce n'est pas une blague, je t'ai dit la vérité. Sois sérieux. Papa? Oui. Est-ce que tous mes vœux seront accordés? Oui, mon cœur. Bien sûr que oui. Tous tes vœux. Docteur? Oh, les derniers résultats sont sortis. Du positif, j'espère. Rien de réjouissant, en fait. C'est jusqu'à ce stade, nous avons découvert que la tumeur s'est encore propagée vers la cognac. Ça m'a l'air très inquiétant. Je sais. C'est juste qu'il nous reste un peu de temps pour étendre nos espoirs. J'ai envoyé ces résultats à un ami aux États-Unis pour un conseil et une consultation approfondie. Mais c'est pareil, nous allons toujours devoir l'opérer, n'est-ce pas? Oui. En cas de rétinoplastome à répétition, le patient a de fortes chances de développer une tumeur cérébrale. Mon Dieu, pourquoi ma fille, pourquoi? Pardon? Pourquoi? Non, je ne m'adressais pas à toi. En passant, t'as pu avoir le numéro de... Julia Martins? Je pense qu'on devrait en parler, Dio. Ouais, d'accord, t'as raison. D'accord, ça va? Julia, rater cet entretien n'est pas la bonne idée. Au diable, l'interview, Val. D'accord, je parlerai aux gens comme j'en ai envie et cela dans mon émission. Tu m'aides à emballer ou pas? Tu sais, ce ne sera pas exactement la même chose comme... se confier à un public à travers une émission indépendante. Pas du tout. Julia, tu devrais savoir comment ça marche. Je t'en prie. Tu sais quoi? Je vais le faire. Seulement... à une condition. L'interview doit se faire ici, chez moi. C'est en live. C'est à prendre ou à laisser. C'est le seul moyen pour moi de le faire, d'accord? Pas de foule. Juste le présentateur et moi. Julia. Est-ce que tu attendais quelqu'un? Eh ben, non. S'il te plaît, peu importe qui c'est, dis à la personne que je ne suis pas là, d'accord?
Ah. Bonjour. Salut. Veuillez m'excuser, mais êtes-vous Julia Martins? Et vous êtes? Pardonnez mes manières, ingénieur Félix. Mon nom, c'est Félix. C'est un plaisir de vous rencontrer. Désolée de vous décevoir. Mais je suis pas Julia, elle est sortie. Vous êtes un fan? Non. Non? Oui. Et j'ai une fille de 11 ans. Et en fait, elle est une grande fan du travail de Julia. Et elle suit toutes ses émissions également. En fait, elle adore sa voix. Vous voyez? Sauf qu'elle doit être opérée d'un œil. Et son rêve est de pouvoir voir Julia avant que cela n'arrive. Oh. Votre fille va se faire opérer l'œil? Oui. Elle a dû perdre un œil déjà. Et elle risque de perdre le deuxième. Et croyez-moi, ça signifie beaucoup pour elle. Sinon, je ne serais pas là. Je suis vraiment désolée. Quand est-ce qu'est l'opération? C'est dans quelques jours. Pouvez-vous m'aider à la joindre? D'accord. Elle est à l'hôpital Chrisland. Merci beaucoup, ça lui ferait vraiment plaisir. Ok, je verrai ce que je peux faire. D'accord, merci beaucoup. Merci énormément. Qui sait, c'est la première tenue. Si elle ne te plaît pas, tu... Oncle Obina. Hein? Si t'étais celui qui devenait aveugle, allais-tu pleurer? C'est quel genre de question, ça? Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui pourrait me rendre aveugle? Hein? Cette fille, je t'ai déjà dit, ne parle pas comme ça. Tu ne seras jamais aveugle dans cette vie. Je sais que c'est la peur qui te fait dire ça, mais tu dois avoir le mental. Ne laisse pas la peur t'envahir. Il ne t'arrivera rien. Cet œil redeviendra normal. Tu dois tout motiver. Pourquoi veux-tu laisser le diable sourire alors que tu es supposé le faire pleurer? Hein? Sois forte. Je ne suis pas un bébé. J'ai 11 ans. Et les adultes adorent mentir à leurs enfants. Et leurs enfants les croient. C'était pareil quand j'étais petite. À chaque fois que je demandais après ma mère, on me disait toujours qu'elle était au marché. Maintenant que toi tu mens, je le sais. Alors réponds-moi, si tu devenais aveugle, qu'allais-tu faire? Laisse-moi d'abord te demander quelque chose. Puisque tu ne fais que dire tout le temps « j'ai 11 ans », qui t'a dit qu'à 11 ans, on est déjà vieux? À 11 ans, tu ne sais même pas te laver, mais tu es là tout le temps. Tu crois tout savoir à ton si jeune âge. Ok, si je devais devenir aveugle, la dernière chose que je voudrais voir, ce sont les anges de Dieu. Tu vois, tante Julia est comme un ange pour moi. Ah, quel genre d'ange c'est que ça? Non, je ne sais pas, quel genre d'ange? As-tu déjà vu un ange dans une radio? Hein? N'est-ce pas au ciel que vivent les anges? Arrête ça, c'est la peur qui te fait dire ça. Regarde comme tu trembles. Tu dois être forte, il ne t'arrivera rien. Alors pourquoi penses-tu que papa m'appelle son ange? Parce que tu papa? Es mon ange. Et mon cupcake. Il ne t'arrivera rien de mal, j'espère que tu le sais. Papa, as-tu vu Julia? Papa? Oh, pas encore. Mais je te promets que je la trouverai et je la ferai venir ici, ok? Docteur Bianca dit que je peux rentrer à la maison. Comme bon me semble. Oh oui, bien sûr, je pense qu'on devrait y aller. On s'en va? Ouais. Ok, on y va. Laisse-moi prendre tout ça. Tu dois aller boire pour être en pleine forme. Ainsi, tu arrêteras de dire des conneries. T'as dit qu'elle risque de devenir aveugle? Oui, c'est ce qu'il a dit. Je veux dire, pourquoi me semble-t-il que tu connaisses la fille? T'as dit que c'est une fan? Sais-tu le nombre de fans innocents que j'ai là dehors? Bien. Alors tu vas aller la voir.
Non. Je ne peux pas. Julie, c'est son seul souhait avant qu'elle ne soit probablement aveugle. Définitivement. Valérie, arrête, d'accord? Arrête d'essayer de me convaincre pour cette fille. J'ai également mes propres problèmes. Puis-je rester seule un moment? Ma puce, t'as raison. Je veux dire, un moment seul t'aidera vraiment à mettre tes idées en place. Donc, je m'en vais. Pense-le toujours. Tu sais que je t'aime. Mais je ne te laisse pas avec ceci. Tu en prends trop ces derniers temps. Prends soin de toi, ok? Félix, c'est très audacieux à mon avis. Comment peux-tu bloquer l'entrée d'autrui? Je dois la convaincre que cette affaire est sérieuse. Je dois le faire. Mais ceci n'est pas une façon de le faire. Je comprends, mais ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Ok. Vous? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Je croyais vous avoir dit que je ne veux plus vous voir. Que faites-vous là, sale meurtrière? Je... Non. Pas besoin. Crois-moi, je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Crois-moi, cette attitude n'est pas parce qu'elle m'a vu embrasser son copain ou son fiancé. Eh bien, je vais rester là jusqu'à ce qu'elle rentre. Non, voyons, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Que veux-tu que je fasse d'autre? Quoi d'autre? Jamais je ne me pardonnerai si ma fille perdait la vue. Sans la voir, j'ai l'impression d'échouer là. Hein? Pas du tout. Je comprends, et c'est pourquoi je t'ai suivi ici. Pour lui expliquer dans quelles conditions critiques elle est. Je me demande bien ce qui la dérange. Je pense que tu devrais y aller. Je vais régler ça avec. J'appellerai peut-être Ben, son fiancé. Hé, Ben. Écoute, ça ne va pas. J'ai vraiment besoin de ton aide. Il s'agit de ta fiancée. Jenny, tu peux me répondre? J'ai besoin de réponse parce que je me demande comment t'as pu m'abandonner avec notre enfant. Sachant que je t'aime. Et que je t'aime encore. Abandonné avec notre enfant? Mais notre enfant est encore là-dedans. Regarde, elle va bien. Maman, je suis déjà là. Tu ne m'as même pas donné la chance de te connaître. J'aimerais te connaître, maman. Jenny, on a besoin de réponses. Et cela maintenant. Demandez-lui. Elle m'a poussée à le faire. Demandez-lui. C'est de sa faute. Julia, pourquoi? Julia, pourquoi? Pourquoi, Julia? Julia, pourquoi? Julia, pourquoi? Julia, pourquoi? Pourquoi, Julia? Arrêtez, arrêtez. Pourquoi? Julia, arrêtez, pourquoi? Arrêtez, 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 arrêtez. Thank you.
permets-moi de la mener là-haut, la nettoyer et de voir si elle peut dormir, d'accord? D'accord, je vais lui préparer du café ou à la cuisine. Merci beaucoup, c'est là-bas, à ta gauche. Ok, d'accord. Doucement, allez doucement, doucement, chérie, doucement. Ma puce. Julie. Julie. Où est cette fille? Mais où est-elle passée avec la porte ouverte? Julie. Où est-elle? Allez. Bonjour Val. Comment est-ce qu'elle va? Tu me demandes comment elle va? Tu lui as causé tellement de peine, tellement de chagrin à une femme que tu prétends aimer. Bien, si tu veux le savoir, elle est brisée. Voilà comment elle est. Et à cause de toi, elle est introuvable. Que veux-tu dire par « il n'y a nulle part où la trouver » Écoute, je l'ai pratiquement traînée de la rue la nuit dernière. Elle était ivre-morte. Je l'ai nettoyée, mise au lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme avant de partir d'ici. Alors, que veux-tu dire par « il n'y a nulle part où la trouver » Oh, t'es parti? Tu l'as laissée dans ces conditions? Oh, s'il te plaît, ne va pas de ce côté-là. Pour l'amour de Dieu, sais-tu quelle heure il était lorsqu'elle a soudainement décidé de me foutre à la porte comme... un vulgaire gamin? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Bien. Julia et moi, avant... avant beaucoup de choses à nous dire. Et voir dans quel état elle était hier, j'ai vu que ce n'était pas le bon moment pour avoir une telle conversation. Ça, c'est ton problème. Je suis pas intéressée à ce qu'il y a avec toi. Il faut que je la trouve. Nous devons aller la chercher. Tout ira bien, d'accord? Regarde comment elle est toute joyeuse. Finalement, finalement, finalement. Félix. Quincy? Papa? Tante Julia est venue. Vous devez être Félix. Oui, c'est Félix. Laissez-moi vous dire, tout le monde dans cette maison s'est préparé pour vous recevoir. Nous vous avons attendu encore, encore, encore. C'est pourquoi quand il vous voit maintenant, il reste figé comme ça. Comme s'il avait vu un fantôme. Bienvenue. Merci. Ne soyez pas surpris, d'accord? J'ai reçu vos messages, mais je devais régler quelques soucis personnels et y réfléchir. Et je suis contente parce que si j'avais manqué l'opportunité de rencontrer cette petite, magnifique fille que vous avez, je l'aurais regrettée. Tata, tu vois pourquoi j'ai dit toujours aux gens que tu es comme un ange pour moi? Je le vois. Ça me donne envie de couler des larmes de joie. Hey, oh. Je suis vraiment touchée. Tchaï. Finalement. Je croyais t'avoir dit que c'est fini, Ben. Julia, je comprends. Je sais qu'on se supportait depuis tout ce temps, mais pourquoi? Pourquoi? Que fait-il là? Je te l'ai dit, je ne veux plus d'invités chez moi. Je sais, mais je crois que vous devez parler et arranger les choses. Parler de quoi? Parler de quoi exactement? Avec un homme qui m'a trompée? Et pas avec n'importe qui, mais... Fina? Fina?
Mais qui est cette Fina? Mais t'es sérieux là? Tu ne connais plus qui est Fina? Et elle est ici. Oh Dieu, vous me faites une blague là. Fina était ma sœur jumelle. Non. Non. Tu dois te calmer, s'il te plaît. Quel que soit ce qui te ronge ou qui t'énerve au sujet de ma défunte sœur, elle est morte. Fina est morte dans un grave accident il y a de cela 2 ans. Tu n'es pas Fina. Je suis le docteur Bianca. Je ne suis pas Fina. Je sais que vous avez fait l'université ensemble. Et elle a étudié la comptabilité. Mais je suis là, mes dessins. Je ne suis pas Fina. De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle est ta fille? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai porté cette grossesse pendant 9 mois. J'ai donné naissance à cet enfant. Et aujourd'hui, elle va devenir aveugle. Oh, je t'en prie, arrête ces conneries. Vraiment, tu dois arrêter ça. Mais quel est ton problème? Tout le monde sait que tu n'as jamais porté d'enfant de ta vie, alors qu'est-ce que tu racontes? Je suis confuse. Peut-être que je perds la tête. En effet, tu deviens folle. T'es en train de déconner à présent. Je sais même pas à quoi y penser. Puis je suis convaincue que t'as besoin d'un psychiatre, honnêtement. Parce que... Non, je ne suis pas folle. Je ne suis pas. Julia, un bébé... Comment? Mais comment? Cela a un sens pour toi? Ok, le père de cette fille, Félix, c'est ça? Il sait que t'es la mère de sa fille? Non. Oh non, Julia. Je pense vraiment que tu dois avoir un psychiatre. Pourquoi Dieu laisse-t-il ceci arriver à un enfant aussi innocent? Une enfant aussi belle et innocente? Je suis désolé. Je voulais pas vous faire peur. Je pensais à haute voix. Je sais que vous ne pensez pas pareil. La personne... innocente. C'est ma fille.
après tous les sacrifices que j'ai faits pour qu'elle vive. Aujourd'hui, elle va être aveugle. Je suis désolé. Je ne savais pas que la situation de ma fille vous ferait sentir tant d'émotions. Je suis désolé. Comment? Comment une aussi jolie petite peut tomber aveugle? Et c'est sans remède. J'ai cru que la science et la médecine évoluaient de jour en jour. Et les choses que les gens pensaient avant qu'ils n'avaient pas d'antidote aujourd'hui ont un remède. Malheureusement, il n'y en a pas. Le docteur a dit que l'opération est inévitable. Non. Vous devez être fort. Je suis fort. Je me bats contre ça, mais il n'y a plus aucune force dans mon corps. J'ai lutté et je ne cesse de le faire. Combien de temps il nous reste? Pas beaucoup. Peut-être une semaine, un mois. Sinon, les cellules cancéreuses se propageront dans son cerveau. Et lui fera du mal. Non. Ou pourrait lui coûter sa santé mentale. Non. Je ne cesse de demander à Dieu pourquoi. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Prends ma vie et... Donne-lui la sienne. Prends la mienne et donne-lui... Bien joué. Celle-là, j'aime bien. Quelle belle confession t'as fait là tout à l'heure à Félix. Il se demande certainement laquelle de nous deux est toi. Tu dois me laisser tranquille. Tu es la raison pour laquelle les gens pensent que je suis folle. Non, Julia, tu es la raison pour laquelle les gens pensent que je suis folle. Je ne peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de ton aide. Rends-moi cette bouteille. Non, tu sais que je déteste l'alcool. Donne-la-moi. Non! Trop d'incompatibilité. Et je me demande comment on fonctionnera ensemble. Ça, ce n'est pas vrai. Même toi, tu ne peux pas croire à ce que tu viens de me dire. Chacun des mots qui est sorti de ma bouche n'est rien d'autre que la vérité. Val, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me dises quoi faire. Ma puce, sais-tu à quel point ceci peut causer dommage à ton cœur, ta carrière et réputation? Val, crois-moi à ce stade, ça n'a plus d'importance. Cela implique également une menace à ta vie. Je te suggère de garder cela pour toi. Que ça reste entre nous. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le faire savoir au public. S'il te plaît, pour la cause de ta carrière. Je sais. J'ai peur. Mais... je suis contente
Oui, j'ai peur encore. Je suis confuse. Calme-toi. Je sais que tout ira bien. Tu dois juste faire très attention. C'était Julia. Comment vas-tu? Je vais bien. Je t'ai acheté quelque chose. Ah! Tu m'as acheté des livres? Oui, je l'ai fait. Tu sais pourquoi? Parce que les livres nourrissent le cerveau. Mais tu sais que je vais bientôt perdre la vue. Voyons, Kinsey. Ne dis pas ça, d'accord? Je crois en la foi. Alors, aie la foi. Tu iras bien. D'accord. T'es resté longtemps pour veiller sur moi? Je suis désolée d'être assez longtemps. Non. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. En fait, on ne voulait pas vous imposer quoi que ce soit. Je dois y aller maintenant. Oh, d'accord. Ok. Laissez-moi combien vous accompagner. Quincy avait raison. Vous êtes un ange. Vous ne pouvez pas dire ça. Je ne suis pas digne d'être un ange, d'accord? N'appelez pas la colère de Dieu sur vous. Eh bien, je ne parlais pas de ce genre d'ange. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes comme une sorte de lumière. Surtout en ces moments obscurs dans nos vies. Ma famille et moi, nous sommes heureux depuis que vous êtes entrés dans nos vies. Merci. Merci pour vos belles paroles. Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai été heureuse. Je dois m'en aller. Ma voiture ne démarre pas. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de problème. Je vais vous raccompagner. Et demain, à la première heure, je dirai à mon mécano de venir voir la voiture. Ok, merci. Je vous en prie.
Comment l'a-t-il découvert? T'es la seule à qui je l'ai dit. Je te jure. Puce, je te jure, je n'ai rien dit à qui que ce soit. Allez, tu me connais. Je ne pourrais pas te faire ça. Mais tu sais que ce genre de choses finit toujours par se savoir. Je vais vous laisser seul. Comment t'as pu être aussi méchante? Pourquoi as-tu joué à un jeu aussi cruel envers ma fille et moi? Ce n'était pas évident pour moi aussi, Félix, ok? Je ne suis pas moi-même depuis que j'ai donné naissance à Quincy. Je comprends pas qu'est-ce que tu racontes. Tu n'es pas Jenny. Tu ne lui ressembles pas du tout. La chirurgie esthétique. Transplantation faciale. Modification corporelle. Le chirurgien s'est lâché, j'imagine. Pourquoi? Tout montrait que tu étais morte. Et ta famille ne m'a pas laissé voir ton cadavre. Ou faisait-il partie du plan également? Il ne s'agit pas là de ma famille, d'accord? Alors il s'agit de quoi? Lorsque j'étais à l'université, j'étais naïve. Et j'ai rejoint une bande, une sonorité. On les appelait The Lipstick. Les règles étaient claires. Personne ne tombe enceinte avant d'être mariée à l'homme que la reine mère aura choisi pour elle. La pénalité de toute déviance à cette règle est la mort de la femme et de l'enfant. Tout ça? Et tu n'as même pas daigné m'en informer pendant la grossesse. Je voulais te protéger, d'accord? De quoi? La même raison. Je n'ai pas dit à mes parents quand j'ai laissé les études. Parce que ma grossesse était déjà visible. Bon Dieu. Je suis désolée, Félix. Elles sont venues pour moi le jour de mon accouchement. Qu'est-ce qu'elle est belle! Jolie demoiselle! Arrête! Poli pour quelqu'un! Très fraîche! Tiens par là! N'est-ce pas? Stop! Reviens! Ne faites pas de mal. Jenny, tu sais que tu nous as manqué. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as ton bébé. Tu as ton bébé, n'est-ce pas? Je l'ai fait, je l'ai fait. Oh, le sang! Mon bébé! Non, plus, on se calme. Non, ne la tue pas, doucement. Voyons, bébé. Je suis là pour te tuer. Oh non, je vais le faire. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon bébé. Allez, la ferme, sale conne. Tu connais bien les règles. Allez, boucle-la, ferme-la. Quand mon père a appris cela, il m'a fait partir aux États-Unis. Arrivé là-bas, je ne voulais pas laisser mes rêves et aspirations derrière moi. Donc j'ai dû rentrer
Et j'ai fait ce que j'ai fait. Félix. Félix. Je suis vraiment désolée. T'es désolée? T'as abandonné ton enfant. Un enfant que t'as porté dans ton ventre pendant 9 mois. Tu l'as abandonné. S'il te plaît, pardonne-moi. T'as pas besoin de mon pardon. Tu sais à qui demander pardon? Madame Julia Martins. Je te dois des excuses, Ben. Mon esprit était tellement perturbé que j'arrivais à peine à m'en sortir. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait couler avec moi. Eh bien, c'est bon, ok? Tu sais, je t'ai écouté durant une de tes émissions à citer quelque chose. Quelle était cette citation? Une relation brisée est mieux qu'un mariage brisé. Ça. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'il t'aimera toujours? Et ta fille, va-t-elle t'accepter un jour comme maman?
Eh bien, seul le temps pourra dire la vérité. Bien. Et tu vas vraiment me manquer. Tu sais, je suis content de t'avoir connu. Moi aussi. Pourquoi as-tu l'air si surpris? Quincy m'a appelé. Quincy t'a appelé? Elle a ton numéro? Elle l'a bien plus que mon contact. Entre dans la voiture, j'arrive. Comment vas-tu? Je vais bien. Alors, quand comptes-tu lui dire que t'es sa mère? Je le ferai. Mais elle n'a pas besoin de complications de plus en ce moment. Je suis d'accord. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour n'avoir pas été là pour toi pendant toutes ces années. J'aurais aimé que tu me le dises. Et j'aurais aimé te le dire. Une partie des raisons de mon retour était d'avoir le courage de... Hé, ça va. Tu sais que nous devons l'amener à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Tu viens? Oui. Ok. So much fear. You feel so guilty. Hey, Quincy. Papa, c'est toi? Oui, c'est moi. Hey, ça va? Je vais bien. Comment tu vas? Viens là. Tante Julia, c'est bien toi? Oui, c'est moi, ma chérie. Merci d'être restée à mes côtés. Merci pour le merveilleux cadeau. Le docteur a dit que je pourrais à nouveau voir mon père et toi et toutes les autres choses. Ce n'est rien, ma chérie. Ne me remercie pas. Je serai toujours là pour toi. S'il te plaît, donne-moi ta main. Dieu vous a unis, mon père et toi. S'il te plaît, épouse mon père. S'il te plaît, dis oui. Ne dis pas non. Ma chérie, j'aurais épousé ton père il y a très longtemps. Bien avant de t'avoir mis au monde. Je suis ta mère biologique. Tu es ma mère? Comment?
Imagine une fleur dans la rue, une fleur dans la rue. C'est ça une rose pour toi, ce n'est pas blanc, mais vert, rouge ou jaune. Ce n'est pas comme ça. Mon oncle, laisse-moi tranquille. Ah, ah, regarde, ça ne ressemble pas à une fleur. C'est quoi ça? C'est quoi ces couleurs? As-tu déjà vu une fleur comme ça? tu vois cet enfant, je veux qu'il te ressemble et pas à ce mec qui est à côté de toi. T'es très drôle, toi. Je suis sérieux, enfin tu auras un petit frère. Tu vas laisser ma fille faire cette... Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Au revoir. Yesterday is gone, but not with what has been said and done. Be right or wrong, with you it all belongs. In spite of all the disguise, pretense and lies, the truth remains with you. It will keep haunting you and disturbing you no matter what you do. No matter how you try, you can never hide, can never hide from yourself. No matter what you do, you can never run, can never hide from yourself. Every day will be a nightmare and filled with so much fear. You'll feel so guilty of what you've done. You try to move on, but the guilt is so strong. The truth remains, yeah, remains with you. It will keep haunting you, disturbing you, no matter.